Il y a la secte des motards, mais aussi celle des Vespisti. Car en dehors de ses deux roues, la Vespa n'a rien en commun avec une moto classique. Ni la forme, ni la technique, ni la vitesse, ni le prix. En admirant les formes féminines des tout premiers scooters italiens de la marque Piaggio, nous croyons y reconnaître ces rondeurs sympathiques, typiquement années 50. Mais c'est faux, tout faux. Car la ligne de la Vespa vient de plus loin. Son ancêtre, le Paperino, ou Donald Dog, est dessiné en pleine guerre mondiale en 1943. Rien à voir avec les premiers cyclomoteurs des années 20, sorte de jouets pour adultes. Le Paperino est un vrai prototype, avec la commande de trois vitesses sur le guidon, le phare sur le garde-boue avant et un moteur central caché dans la carrosserie autoporteuse devant l'assise. Le Paperino possède donc déjà toutes les caractéristiques d'une moto qui n'en est pas une, mais qui va devenir au fil des années le véhicule deux roues le plus vendu au monde. L'Italien aime se souvenir de son passé. Il en est fier. Il le rappelle volontiers aux touristes, excepté bien sûr les années fascistes. Et s'il y a un objet qui symbolise la transformation de l'Italie fasciste en jeune démocratie de l'après-guerre, c'est bien la Vespa. C'est la guerre qui a empêché que la Vespa devienne un produit de l'Italie fasciste. Quand l'axe Berlin-Rome s'effondre, la fabrication du Paperino devient impossible, car l'industrie italienne est entièrement détruite, aussi bien par les Allemands que par les Alliés d'ailleurs. En 1946, la reconstruction de l'Italie prendra du temps. En manque d'investissement massif que les États vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale réservent à l'Allemagne, l'Italie doit se débrouiller toute seule. Mais l'agriculture n'arrive pas à nourrir le pays, et dans les villes, les vétérans et leurs familles font la queue pour manger. Il n'y a ni industrie, ni administration, ni train, ni tram, ni route. C'est pourquoi l'industriel Enrico Piaggio veut un véhicule capable de faire face à la crise. Bon marché, mais confortable. À l'époque, la firme Piaggio, spécialisée dans la construction de carrosseries pour bateaux, trains et avions de chasse, n'a aucune expérience des véhicules à deux roues. C'est d'ailleurs à un spécialiste de l'aéronautique, le designer Corradino d'Ascanio, qu'Enrico Piaggio fait appel pour améliorer le Paperino.
D'Ascagno, inventeur de l'hélicoptère, décide de risquer un regard complètement neuf sur le Paperino et de l'éloigner encore davantage de la moto classique. Il crée un seul bloc pour le moteur et la roue arrière, sans chaîne de transmission. Le tout est caché dans une carrosserie autoporteuse, solide mais légère. Il invente un support monotubulaire pour la roue avant et une assise encore plus basse qui permet aux filles de monter sans relever leur jupe. D'Ascagno maintient donc la ligne génialement simple du Paperino tout en abandonnant le moteur central. Ainsi, le véhicule change de transmission et de sexe, car le Paperino devient la Vespa. C'est Enrico Piaggio lui-même qui évoque la ressemblance du nouveau prototype avec la Vespa, la guêpe, à cause de sa taille fine et de ses hanches voluptueuses. Il vecchio stabilimento Piaggio fabbricava motori per aerei. Gli aerei l'hanno distrutto. In gran parte illeso invece il villaggio per gli operai e gli impiegati. Vogliamo anche noi la nostra cartolina all'orologio con questi 2000 che vanno al lavoro. Attraverso i misteri della fabbricazione indovineremo la nascita di una macchina a noi familiare. Pontedera, près de Pise, en 1948. Le village est resté lieu d'habitation des ouvriers Piaggio qui travaillent dans l'usine reconstruite. 2000 employés doivent apprendre les secrets de fabrication d'une machine qui nous est familière, mais qui à l'époque est complètement nouvelle. Les images d'archives montrent comment le moteur de la Vespa est situé dans la carrosserie autoporteuse en tôle d'aluminium. C'est grâce à la solidité de cette coque que la Vespa supportera l'état calamiteux des routes italiennes de l'époque. Agli sbadati si fanno sentire col caratteristico ronzio dei motori entrati ormai nello strumentale della sinfonia delle nostre strade. La Vespa n'a d'abord qu'un moteur de 98 cm3. En 1947, la cylindrée est augmentée à 125 cm3, toujours avec une boîte manuelle à 3 vitesses. Corradino D'Ascagno a souhaité éloigner le moteur du conducteur pour réduire le bruit et éviter d'éventuelles taches d'huile. Seul inconvénient, l'engin tire à droite et il faut s'habituer à contrebalancer avec son propre corps le poids du moteur. Sinon, on plonge. À l'origine, la Vespa était destinée à la classe ouvrière italienne. Dès 1950, elle est importée et même construite en France. Un doudingue s'en sert pour traverser la Manche, et après la jeunesse italienne, c'est toute l'Europe occidentale qui se l'approprie. Comme la Vespa est plus amusante, plus sûre et plus confortable qu'une moto, elle permet aussi bien le voyage touristique que l'exploit sportif. Paesi stranieri con 45 concorrenti partecipano a questa terza edizione. Si parte da Salerno per Foggia, la prima delle 12 tappe. In totale si percorreranno 1874 chilometri. Novità di quest'anno il fuoristrada che gli scooteristi affrontano nei pressi di Foggia. Da Bari, seconda tappa, si prende la strada del sud. Il 29 è Paladini di Trieste, con Miazzi e Cordiglia in testa sino verso Reggio Calabria, dove per un errore di sincronizzazione dei cronometri i tre hanno perduto ogni possibilità di vittoria. Al di là del traghetto la Sicilia accoglie i concorrenti.
En 1952, Hollywood découvre en même temps la Vespa et Audrey Hepburn, la fille à la taille de guêpe. La Vespa deviendra alors le véhicule des stars, de Gordon Mitchell à Michel Simon et Jean-Claude Brialy ou Laurent Terzieff, et bien sûr, Vittorio Gassman, ici sur sa Grand Sport. La GS porte son phare en haut, intégré dans le guidon. Pour faciliter l'export, Piaggio a donc concédé un seul changement facilement reconnaissable entre la Vespa des années 60 et celle des débuts. Perfetto, l'atterraggio dell'aereo da turismo che porta il dottor Enrico Piaggio e che è stato ideato e costruito nei complessi industriali di Finale Ligure. Giornalisti e addetti commerciali di ogni parte del mondo sono convenuti a Pontedera per assistere ad un evento che ben si può definire fausto per l'industria e il lavoro. En 1956, Enrico Piaggio fête la millionième Vespa en présence du designer Corradino d'Ascanio et de l'évêque de Pise. La Vespa devient ainsi le symbole du succès de tout un pays. I micromotori che da qui sono usciti coprirebbero il percorso Reggio Calabria-Bolzano. Austria's Tony Seiler, a two-time gold medal winner, is seeking a record-smashing third championship as he plummets downward over an ice-crusted series of bone-rattling. La même année, Cortina d'Ampezzo reçoit les Jeux olympiques d'hiver. Italian president Gronchi watches the arrival of the famed Olympic torch. Et un an plus tard, les représentants des gouvernements français, allemands, italiens et des pays du Benelux se réunissent à Rome pour signer le traité qui donnera naissance à la communauté européenne. Désormais, la période fasciste est oubliée, la lyre est européenne et l'Italie peut devenir notre lieu de villégiature préféré. More than 200 cars to Amsterdam, including the fabulous Ford Thunderbird, a little 300 horsepower affair. Any man who can provide this and a mink coat has the makings of a perfect husband. Also from Ford, the 250 horsepower. Encouragé par le succès de la Vespa, Piaggio continue à voir petit et présentera en 1958 sa première voiture, la Vespa 400. The Vespa 400 is short of a big following in Holland, and the Oldsmobile will appeal to those who like something a little less cramped. Altogether, quite a popular merchant. Malheureusement, la voiture Vespa, à 2 cylindres et 400 cm3, ne se vend guère. En Italie, elle est interdite par le géant Fiat, pour ne pas faire concurrence à la Fiat 500. Ailleurs, elle est petite, trop petite pour le miracle économique qui submerge l'Europe. La Piaggio à deux roues, elle, continue à conquérir le monde. Elle est fabriquée sous licence en Allemagne, chez Hoffmann et Messerschmitt, et à Fourchambault. Elle équipe les parachutistes français et apparaît même à Moscou. Évidemment, ce n'est qu'un plagiat. Comme il se doit, la Vespa soviétique est d'un marron austère. Conçue comme une nécessité économique dans l'Italie de l'après-guerre, la Vespa devient alors le symbole du savoir-faire italien. Partout naissent des clubs de vespisti, dont celui de Grosseto, en Toscane, pour lequel le mécanicien Giorgio Notari a rassemblé un véritable musée, le seul au monde. La Vespa est devenue l'incarnation de la Dolce Vita, et les publicitaires de chez Piaggio savent en tirer profit. L'art du design ne se limite plus au seul objet, mais s'intéresse aussi à son marketing. Et Vespa créa non pas la femme, mais le premier calendrier pin-up.
Quando potranno dire di essere finalmente soli, vicini e felici? Sulla loro Vespa, Vespa, paradiso per due. Noi due soli, sulla Vespa, ce ne andiamo cantando felici, al lavoro, dagli amici e lontan dalla città. Noi due soli, sulla Vespa, lieti come due bambini, è una gioia senza confini che la Vespa ci può dare. Vespa, lo scooter più venduto nel mondo. Vespa Kawada, Vespa ki tarah pukhta. Waqt guzarta rahe, Vespa rawan dawan rahe. Vespa standard model, chale saal ha saal. Vespa mazboot, mehfooz, mutawazan. Vespa ka vaada, Vespa ki tarah pukhta. Dans les années 60 et 70, la Vespa fait le tour du monde. Après l'Italie, c'est en Afrique et en Asie qu'elle devient symbole de prospérité et de jeunesse. Elle s'exporte en Amérique latine et se fabrique en Inde. Partout, grâce à la Vespa, les garçons peuvent frimer sans ruiner leurs parents et les filles montent en selle sans relever leur jupe. Aujourd'hui, Piaggio produit toujours à Pontedera, près de Pise. L'époque a changé, mais pas la Vespa, ni les gestes de ceux qui la fabriquent. Les temps ont beau être modernes, les ouvriers travaillent toujours à la chaîne pour le montage d'un véhicule qui n'est pas moderne du tout, mais en dehors du temps.
Désormais, la concurrence suit les Italiens sur le chemin du passé, avec plus ou moins de succès et de bon goût. La nostalgie est devenue une mode universelle. Mais jamais la copie n'égalera l'original. Et les Honda, Yamaha, Peugeot ou autres Suzuki restent loin du charme du Paperino, devenu sous les mains de Corradino d'Ascanio, la Vespa.